Si parfois vous ressentez le besoin d'avoir un petit coup de pouce, que ce soit au niveau de votre peau, de vos cheveux, de vos ongles, de vos cils, cette vidéo est faite pour vous. J'ai testé plein de petites choses ces dernières semaines et je suis là pour vous en parler. J'espère que ça va vous être utile. En tout cas, moi, ça m'a donné un gros coup de pouce pour certains de ces produits que je vais vous présenter dans la vidéo. Je fais assez rarement ce genre de vidéo sur ma chaîne parce que ça nécessite des mois de tests pour des produits comme cela. Pour moi, c'est pas en une semaine ou en quelques jours que vous avez des résultats. Faut au minimum 2 mois quand vous utilisez des compléments alimentaires. Ça fait des années que je vous le dis, mais pour moi, la durée parfaite quand vous testez un produit, c'est vraiment 3 mois. Pour moi, 3 mois, c'est vraiment, on va dire, une croissance normale pour voir des résultats du avant et après vraiment voyant, en fait. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Ça fait des semaines que je teste ce nouveau sérum de chez Olaplex. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est clairement le produit qui fait le buzz en ce moment. Moi, ça fait des semaines que je l'ai reçu. Ça fait un peu plus de 2 mois. Ça doit faire 2 mois maintenant, je crois. Je crois que c'était au mois de février que je le testais. Donc je leur ai dit que j'étais vraiment partante parce que je suis clairement la bonne cobaye en termes de petits cils courts, raides, inutiles. Je suis vraiment très bien placée pour tester ce genre de produit. Quand ça fonctionne, je vous le dis, quand ça fonctionne pas, c'est déjà arrivé, je vous l'ai dit aussi. Aujourd'hui, je vous en parle parce que franchement, les résultats sont assez dingues. Là, vous me voyez avec du mascara, vous voyez que j'ai des cils, je n'ai jamais de cils. Mais vous allez voir des photos, je vous ai filmé un espèce de journal en fait, tout au long de ces semaines avec des photos à l'appui pour que vous puissiez avoir un réel, honnête avis 100% objectif de A à Z sur les effets de ce sérum sur mes cils. Petite introduction concernant Olaplex quand même, parce que je me dis que c'est super intéressant toujours de savoir ce dans quoi, la marque dans laquelle on va mettre son argent. Enfin, pour moi, c'est super important de connaître un minimum l'histoire. Olaplex est une marque qui est née de 2 chimistes en fait en 2014. Ils ont créé cette marque, ils ont été très très vite demandés. Et c'est une marque qui a tout de suite fait fureur parce qu'en fait, elle a une technologie qui est brevetée et toutes les célébrités s'arrachent cette marque. C'est la Olaplex Bond Building. C'est une technologie qui est capable en fait de restaurer le cheveu de l'intérieur. C'est pourquoi ils ont commencé par les produits capillaires. C'est pourquoi on connaît beaucoup plus les produits capillaires et aujourd'hui c'est le premier produit pour les cils. Donc forcément quand on voit l'efficacité des produits pour les cheveux de chez Olaplex, on n'a qu'une envie, c'est d'y croire à ce produit pour les cils. Donc c'est pourquoi j'avais accepté, je m'étais dit s'ils sont hyper forts comme ça pour tout ce qui est cheveux, ils ont vraiment des technologies assez folles dans leurs produits capillaires. Je me suis dit que ce serait super intéressant du coup de découvrir ce produit là, d'autant plus que j'ai clairement les problématiques cils on va dire. Donc j'ai des cils qui sont courts, j'ai pas de volume, j'ai pas de courbe, j'ai des cils qui se cassent, qui sont pas hydratés, et ce produit là justement cible ces 5 problématiques. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'a pas d'effet secondaire. Et du coup dans cette nouveauté, c'est une nouvelle technologie qui est la Olaplex Peptide Complexe, qui est une technologie à base de peptides. Je vous ai déjà expliqué ce qu'est les peptides. Les peptides, c'est comme plusieurs petites chaînes en fait. C'est ce qui va aider à maintenir, ça va être la fondation en fait des protéines telles que le collagène, l'élastine, la kératine. Voilà, donc les peptides, c'est essentiel et c'est grâce à ça que tout est maintenu, tout est en forme en fait. Et à l'intérieur, vous avez un complexe à base de peptides puissants, dont un qui est exclusif à Olaplex. Et vous avez pas mal d'autres ingrédients super intéressants pour les cils. Vous avez l'acide hyaluronique, l'extrait de fleurs de trèfle rouge qui est hyper connu pour densifier les cheveux. Également, vous avez plein de produits, des sérums pour les cheveux qui sont à base d'extrait de fleurs de trèfle rouge, censé être efficace et vous apporter du volume, densifié en fait, apporter de la masse. C'est un petit pinceau liner comme ça, c'est transparent. Vous le mettez le matin sur votre racine de cils juste avant de vous maquiller. Vous laissez sécher un peu et vous pouvez vous maquiller. Ça change absolument rien. Et vous faites la même chose le soir avant d'aller vous coucher. C'est tout. Ça change absolument rien en fait à votre vie, à votre make-up, à vos soins. J'ai clairement vu des effets au niveau de la densité, du volume. Même mes cils qui sont à la base très fins, bah vous allez le voir dans les photos avant après, qui sont très fins. On voit qu'il y a pas mal de trous en fait entre mes cils à la fin de ces semaines de test. D'ailleurs je continue hein, parce qu'il est toujours pas vide. Hein. Ah oui, sachez que ça vous tient je ne sais combien de mois. Moi ça fait au moins 2 mois que j'utilise et franchement il y en a toujours. Donc sachez que c'est vraiment sur la durée. Déjà vous prenez soin de vos cils sur la durée, mais vous en avez vraiment beaucoup dans le tube. Et j'ai vu un effet vraiment au niveau de la densité. Mes cils sont plus épais et j'en ai plus et ils sont un peu plus longs également. Donc franchement pour moi ça a été un super produit. Je suis très contente de cette nouveauté Olaplex et franchement ils sont très forts quoi. Je vous laisse avec les quelques images de mon journal de bord spécial cils et on se retrouve après pour le reste des produits. On va faire ça ensemble et je prie pour que ça fonctionne parce qu'à chaque fois que je reçois ce genre de produit, j'y mets tellement d'espoir. Donc on commence avec le jour 1 qui est aujourd'hui. À toutes mes sisters and brothers, petit cils, ce petit morceau de vidéo est pour vous. Hello, good morning. Ce matin, on est le 7. Alors pour le moment, je commence à le voir déjà sans mascara, mais je le vois surtout quand j'applique du mascara. J'ai plus besoin de mettre 1000 couches,
Mais s'il se voit dès la première application, et là je me suis dit, ça y est, je commence à vraiment voir que mes cils ont poussé. Donc je suis trop contente, on continue le test. Nous sommes actuellement le lundi 2 ou 3 avril, je sais même pas quelle date on est. Depuis la dernière fois, honnêtement, je vois carrément la différence. C'est assez dingue. Le résultat entre la première photo, on voit clairement que mes cils sont plus longs, oui, mais que j'en ai surtout beaucoup plus. J'ai moins de petits trous, en fait, entre les cils. Et tu sens qu'ils sont plus épais, qu'ils sont plus forts. C'est ça le truc, c'est que c'est super intéressant, bien sûr, de faire pousser ses cils. Mais je pense que le plus intéressant, c'est d'avoir des cils fournis et plus solides, en fait. Et j'ai l'impression qu'on a un réel effet sur ça. Donc je suis trop contente. Ça va peut-être rentrer dans ma routine. Si vous avez des cils naturellement comme ça, franchement, vous avez beaucoup de chance. J'adore. Pour le moment, je suis vraiment contente. Hello, nous sommes le 24 et aujourd'hui, c'est la dernière partie. Maintenant, je vois clairement une différence. Mais je vais appliquer du mascara et je reviens tout de suite pour qu'on s'en parle. Je vous montre déjà sans mascara. Et me revoilà avec les cils faits. Je suis vraiment... Les images parlent d'elles-mêmes. C'est oufissime. J'ai jamais eu autant de cils de toute ma vie, je crois. Je suis convaincue. Okay. Donc voilà, franchement, testé, validé, approuvé, je le mets dans ma routine. Pour beaucoup, ce sera peut-être pas énorme, mais moi, je pars de loin quand même, parce que vraiment, j'ai pas beaucoup de cils et ils sont tout petits. Ensuite, on va passer aux compléments alimentaires que j'ai découverts il y a quelques semaines maintenant. Ça fait pas très longtemps que je les utilise, donc je vous en reparlerai si jamais ça me plaît. Pour le moment, ça me plaît pas mal, donc je pense que je vous en reparlerai. Ce sont les compléments... Vous avez peut-être vu les... J'ai vu la pub sur des arrêts de bus, d'ailleurs. C'est la marque La Chile Beauty. C'est une marque qui m'avait proposé m'envoyer des compléments alimentaires, c'est pas du tout sponsorisé. Et du coup, j'avais accepté pour tester d'autres compléments alimentaires pour pouvoir vous parler de plusieurs compléments alimentaires. Parce que c'est vrai que je vous parle toujours d'Herbers parce que bah, c'est une marque que j'utilise depuis des années et qui m'a convaincue. Mais bon, j'essaie d'en tester d'autres pour essayer de voir ailleurs, voir d'autres effets et surtout de tester plusieurs marques pour pouvoir vous proposer différentes marques. Comme je vous l'ai dit, ça fait pas encore assez longtemps, en tout cas de mon point de vue personnel. Je préfère attendre encore quelques temps pour vous en parler. Mais franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. Donc j'en utilise deux, ils ont plein de compléments alimentaires, ils en ont déjà, ils ont des compléments alimentaires spéciaux acide hyaluronique, zinc, enfin voilà, et vous composez vous-même votre routine, on va dire ça comme ça, et ils en ont plusieurs qui sont déjà faits pour des besoins bien spécifiques, ils en ont pour aider à s'endormir, ils en ont pour les cheveux, ils en ont pour la peau, il me semble, ils ont vraiment pas mal de choses et ils sont très connus, je crois que je suis la dernière à connaître cette marque, je vous l'ai dit, je viens de voir l'affiche sur un arrêt de bus et ça m'avait étonnée. Je pensais pas que c'était aussi connu. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'aime beaucoup le logo, je la trouve assez sympa. Les gummies, donc ce sont des espèces de petites étoiles qui sont super bonnes. Franchement, je les trouve très bonnes. On dirait des petits bonbons. C'est pas chimique, y a pas un goût chelou, un arrière-goût une fois que vous l'avalez. Y a pas de remontée. C'est pas difficile à digérer. Ça m'a pas fait mal au ventre. J'ai pas eu de problème quelconque. Voilà. Pour le moment, aucun effet secondaire indésirable. Et du coup, j'en prends deux, comme je vous l'ai dit. Je prends celui qui est destiné à avoir des cheveux sublimes. Donc en fait, à l'intérieur, vous avez de la biotine, de la vitamine B6 et de la prêle. C'est un trio gagnant pour avoir une belle croissance de cheveux, mais c'est pas que ça, c'est pas juste la pousse des cheveux, c'est que ça va vous aider à avoir des cheveux, donc ceux qui vont pousser, en fait, ils vont être beaucoup plus forts, ils vont être beaucoup plus épais, ça va aider les follicules pileux, ça va aussi prendre soin de votre cuir chevelu, de façon à avoir un cuir chevelu sain pour avoir une bonne croissance des cheveux. C'est vraiment un tout, c'est un super combo, n'hésitez pas à aller voir sur internet ce que les bienfaits de chacun de ces ingrédients, mais franchement vous irez voir et ça va être la brillance, la souplesse fortifiée et la vitamine B6 c'est l'une des vitamines les plus importantes pour la croissance du cheveu, c'est extra pour les cheveux et du coup la prêle c'est une espèce de plante qui aide beaucoup d'ailleurs au cuir chevelu mais aussi à la régulation de sébum, c'est un anti-chute naturel, donc vraiment c'est un très bon trio et du coup j'ai aussi commencé la Good Hair Woman anti-chute cheveux action ciblée, donc je voulais tester une gamme, je les prends en même temps, je voulais des compléments alimentaires qui allient et la beauté des cheveux, mais aussi la croissance, mais aussi avoir un cheveu qui pousse fort, en fait. C'est vraiment de ça dont j'ai besoin. J'ai envie d'avoir des cheveux plus épais, parce que mes cheveux, j'ai pas les cheveux épais et j'en ai pas beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, par période de stress, j'ai des cheveux qui tombent et je le vois clairement. Et comme je vous le dis à chaque fois, c'est ici, au niveau de l'avant de la tête, que je l'ai toujours vu en premier, dès que j'ai des chutes de cheveux. Et du coup, je voulais allier avoir des beaux cheveux sains, mais minimiser la chute des cheveux, m'apporter ce dont j'ai besoin pour éviter les chutes
chute de cheveux. Et du coup, dans celui-ci, c'est cheveux de Vénus, fer, vitamine B6, B12 et zinc. Donc les cheveux de Vénus, on connaît tous en général. Quand vous voyez biotine, cheveux de Vénus, vitamine B6, c'est vraiment la perfection. Et vous avez du zinc également, le fer. Donc le fer, vous en avez ici, mais j'ai également pris du fer pendant un temps, qui se présente comme ceci. Donc c'est le fer actif. Donc ça s'achète en pharmacie. Et parce que je faisais clairement une carence, je sentais que j'étais très fatiguée tous les jours. Même en dormant, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en story, je vous disais, est-ce que vous avez un truc? Parce que franchement, j'ai beau dormir, même en vidéo, je vous disais, mais j'ai super bien dormi et je me sens fatiguée. Et du coup, j'ai commencé une cure en fer et franchement, ça m'a beaucoup aidée. Je trouve, je vois nettement la différence. Et le fer, c'est excellent également pour les cheveux parce qu'en fait, votre cheveu pousse moins rêche et moins terne en fait. Ça a de super bienfaits et pour votre système immunitaire, on va dire, ça vous apporte de l'énergie, mais ça a également des effets sur les cheveux et c'est aussi pour ça que vous en avez du coup dans les compléments alimentaires qui sont destinés aux cheveux. Et à l'intérieur, vous avez de la vitamine C et du cuivre. La vitamine C et le cuivre, c'est pour bien diriger le fer et pour qu'il soit bien absorbé, parce que si vous prenez beaucoup de fer, en fait, si vous faites pas attention, vous prenez de trop grosses doses, ça peut vous causer des troubles de l'estomac et notamment la constipation, etc. Et en fait, ces deux autres éléments vont vous aider à avoir du fer, mais sans d'effet négatif derrière. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai pas pris que du fer pur, on va dire ça comme ça, mais j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait du zinc et de la vitamine C. Et ça, je trouve que c'est important de le savoir si vous voulez pas avoir résoudre un problème et avoir d'autres problèmes derrière, if you know what I mean. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, ouais, ce sont des compléments qui sont que pour le moment j'aime beaucoup, que je continue du coup, et je vois clairement une différence. Ceux-là, j'attends encore un petit peu, mais ceux-là, ils sont vraiment bien si vous voulez vous faire une petite cure. Voilà. Et ceux-là, tu les trouves aussi en pharmacie? Ceux-là? Ouais. Ah ouais? Ah, je savais pas. Bah écoutez, les lachilés aussi, vous les trouvez en pharmacie. Et c'est vegan, j'ai oublié de vous le préciser. On va passer à des compléments alimentaires un peu particuliers, étant donné qu'il s'agit de collagène liquide. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que chez nous, en France, c'est pas encore... c'est pas très connu. On n'en entend pas beaucoup parler. Je crois que j'ai jamais vu de Français vraiment parler de ça, ni utiliser. Mais vu que je suis pas mal d'Américaines, notamment, ou de, voilà, de personnes d'autres pays, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Et en discutant avec une Américaine également, on discutait des compléments alimentaires, etc. Et elle m'a recommandé ce collagène liquide de cette marque là. Donc je me suis dit, quitte à essayer le collagène liquide, j'ai pas envie d'aller n'importe où et de prendre n'importe quoi, je vais écouter ses conseils et je vais me prendre cette marque là. Donc la marque, c'est Spoiled Child. Il me semble qu'il livre vraiment partout à l'international, mais c'était une bouteille que j'en avais pris deux. J'avais pris la saveur mangue et j'avais pris la saveur ananas. J'ai commencé la saveur mangue, que j'aime beaucoup, je trouve que le goût il est très bon. Ça a vraiment un goût de mangue mais pas trop chimique quoi, c'est comme un yaourt à la mangue, vous voyez le goût de la mangue mais sans que ce soit trop too much, bah c'est un peu le même goût. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et du coup, Bi, elle était en train de me dire que sa sœur a commencé, je savais même pas que ça existait, que tu pouvais, c'est genre un liquide, du collagène pour les cheveux, que t'appliques comme un soin en fait sur tes cheveux. Écoutez, prochain truc que je vais acheter, tu me diras, c'est quoi la marque? Elle achète ça où? Sur YesStyle. Sur YesStyle, en général, c'est les marques coréennes, japonaises, tout ça. Je vais regarder. Écoutez, je vais regarder. Je vais aller commander ce collagène liquide pour les cheveux et je vous en reparlerai. Moi, pour le moment, j'ai testé le collagène liquide à boire. Déjà, ça va aider pour ta peau, pour l'élasticité, le rebond, la lumière. Mais ça va également... C'est du collagène, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va également vous aider pour avoir des cheveux forts, des cheveux sains, des cheveux brillants. Et ça va également vous aider pour pas mal d'autres choses au niveau de votre corps. Donc les articulations, la santé intestinale, les ongles. Voilà, ça vous fait... C'est vraiment un 360 degrés que vous avalez. Donc c'est une cuillère, ils appellent ça, moi j'ai des trucs spécial spoon là, avec les graduations américaines. One tablespoon a day. Donc je sais pas si c'est une cuillère, je crois que c'est plus une cuillère à soupe. Tablespoon. Si, je crois que c'est une cuillère à soupe. En fait c'est une cuillère par jour que tu bois le matin et c'est tout. C'est une grosse bouteille qui contient 450 ml. Donc c'est énorme, ça fait déjà quelques temps que bah, j'ai commencé quand je suis allée à New York. Donc ça fait au moins un mois maintenant. Au moins un mois et je vous assure que je vois des effets assez flagrants au niveau de ma peau. Je trouve que ma peau elle est beaucoup plus jolie, je sais pas, je la trouve plus lumineuse, moins terne en fait, et ça me rappelle un petit peu l'effet que j'ai avec l'huile Skin Therapy d'Arborian. Tu sais, ce côté un peu où tu ressens pas le besoin de te maquiller, j'ai l'impression que ça me fait ça avec ce collagène liquide. Donc pour le moment je suis très contente. Après je me pose la question parce que j'ai commencé aussi la crème, mais quoi que je l'avais commencé
commencé avant, de chez Lancôme, du coup, Rinergy, du coup, je sais pas si... ou c'est le combo parfait, genre skin therapy, collagène liquide, crème Lancôme, et vous aurez une peau de ouf. Mais ouais, je suis trop contente, quoi. Franchement, pour le moment, je suis très contente, parce que, par contre, ils disent, pas ça te fait mincir, mais que ça te coupe un peu l'appétit, je ne sais quoi. Franchement, ça, c'est mytho. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu de coupage d'appétit, j'ai faim tout le temps, comme d'hab. Donc j'ai pas vu d'effet de ce côté-là, mais c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à vous renseigner sur le collagène liquide. Déjà renseignez-vous, voyez si c'est quelque chose qui vous convient, qui est adapté, qui vous intéresse tout simplement. En revanche, c'est pas vegan, hein, collagène à mon avis, c'est pas vegan. Je vous invite à aller checker, mais je pense pas, en tout cas c'est pas écrit. Et ils disent que c'est sans OGM, sans gluten et dairy. Dairy free, ça veut dire quoi ça? Dairy, sans tout ce qui est produits laitiers, tout comme ça. D'autres petits compléments alimentaires que j'aime beaucoup cette fois-ci, c'est de la marque Skin Good Garden. Skin Good, pareil, c'est l'une de mes marques de compléments alimentaires préférées. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, j'ai déjà collaboré avec eux de nombreuses fois parce que vraiment j'ai été convaincue, donc à chaque fois qu'ils me demandaient si ça m'intéressait, je leur disais mais carrément, j'aime vraiment beaucoup. Et les deux que je continue d'utiliser parce que j'utilise pas 1000 compléments alimentaires en même temps, quand j'utilise un complément alimentaire pour quelque chose, je vais pas utiliser un autre complément alimentaire d'une autre marque pour la même chose, c'est ridicule et ça me permet pas de voir les résultats du coup de l'une ou de l'autre marque. Mais ces compléments alimentaires là du coup sont bah du coup complémentaires avec ce que je viens de vous présenter. Ce sont des espèces de petites bouteilles comme ça en verre, pareil je vous en avais déjà parlé de cela, et ils m'en avaient envoyé un gros stock il y a plusieurs mois maintenant, et franchement je continue de les utiliser quand j'en ressens le besoin parce qu'ils sont vraiment bien. Donc le premier c'est le Energy Mood Elixir, c'est clairement un complément alimentaire qui vous permet de vous rebooster un petit peu. C'est un peu le même principe que le fer, mais c'est pas du tout la même chose, et du coup c'est vraiment bien. À l'intérieur vous avez, donc c'est allemand, donc c'est européen, c'est vegan, c'est gluten free, c'est vraiment une très belle marque. Je vous en ai déjà parlé, donc je vous invite à aller voir sur le site si ça vous intéresse. En fait le principe c'est de mettre 1 ml directement sous la langue ou mélanger un verre d'eau ou quoi que ce soit, et vous utilisez ça une fois par jour, donc dans la journée, et voilà, vous faites une petite cure et franchement ça fonctionne super bien. Pareil pour le Sleep Mood Elixir, donc celui-ci c'est écrit en allemand, je suis désolée, donc je saurais plus vous dire ce qu'il y a comme ingrédients à l'intérieur. Celui-ci je sais qu'il y a du ginseng, celui-ci il y a de la lavande, de la mélatonine, et je sais pas ce que c'est le troisième. Et celui-ci ça va vous aider, alors c'est pas un somnifère hein, je le précise, je ne prends pas de somnifère tout simplement parce que moi j'en suis pas là, hein. J'ai pas besoin de somnifère pour dormir, et je veux pas, quand j'ai des périodes où j'ai du mal à dormir ou peu importe, quand je prends l'avion par exemple et je sais que je vais avoir du mal à dormir, je prends pas de somnifère pour juste un moment parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les effets un peu secondaires, pâteux, vraiment dans le gaz et tout. La mélatonine ça a rien à voir, c'est la molécule qui aide à l'endormissement, mais c'est pas un somnifère en fait. Mais je vous invite à consulter un professionnel, à aller voir sur internet si vous voulez plus de détails. Mais moi la mélatonine ça m'aide beaucoup dans mes périodes de stress, mais aussi quand je prends l'avion etc, ça m'aide un petit peu, je sens que ça me fait pas genre dormir quoi, mais ça m'aide et ça je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, c'est pareil, le même système, une petite goutte, et quand vous en ressentez le besoin avant d'aller vous coucher. Mais Skin Good Garden c'est une très belle marque de compléments alimentaires également, si vous voulez aller voir. Donc voilà pour cette vidéo spéciale compléments alimentaires, j'avais envie de faire une petite vidéo à ce sujet là, donc et faire un petit tour cheveux, peau, ongles, cils, parce que je trouve que c'est super intéressant. En fait on se pose pas la question et on se dit pas j'ai besoin d'un petit coup de pouce en fait, et moi pendant des années ça a été ça, j'avais des coups de fatigue, j'avais des pertes de cheveux et je me disais pas bon bah je devrais peut-être prendre quelque chose pour m'aider, et en fait je trouve que c'est super de le faire de temps en temps parce que parfois il suffit juste d'un petit coup de pouce pour bien repartir, et parfois du coup vous voyez des effets assez rapidement et assez fous. Et moi ça a été le cas comme je vous l'ai dit avec le collagène liquide, avec le sérum Olaplex, c'est le genre de choses que personnellement j'adore. J'adore tester ces trucs là et surtout bah quand ça a des effets de fou, je suis trop contente quoi, parce que je me dis il y a vraiment des effets qui se voient, voilà, encore une fois, et je trouve ça super intéressant, moi j'adore, ça me passionne aussi hein, tous ces trucs là. Mais c'est vrai que j'ai très peur en général de tester des marques inconnues ou qui viennent d'ailleurs etc, parce que je me dis c'est un coup, est-ce que je cherche une solution pour un problème et qu'en fait je me crée un autre problème qui du coup devient un vrai problème. Et les compléments alimentaires comme ça, ça a tendance à me faire très peur. Donc si je peux vous aider d'une quelconque façon à vous diriger vers des marques plutôt safe, des trucs qui fonctionnent, bah voilà, je me dis que c'est plutôt cool quoi. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et bien sûr si vous avez d'autres marques etc à nous recommander, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, et nous on va aller s'acheter le collagène liquide pour les cheveux là. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite.